Auxerre est toujours 18e et relégable, mais à égalité de points avec Nîmes 17e. Les Auxerrois doivent absolument faire un résultat sur les pelouses d'Arles-Avignon 11e et déjà sauvé. Auxerre va devoir jouer sans Ramos, Gando, Sorin, Boykan ou encore Marester blessé. Une équipe ajaïste qui n'a gagné qu'un seul match à l'extérieur cette saison, c'était à Créteil il y a quelques semaines. La CA de son côté joue sans Dias, Cardi, Coulon et Bensaada. Une équipe d'Arles-Avignon qui a plutôt des bons résultats à la maison. Sixième meilleure équipe du championnat à domicile avec 9 victoires, 8 nuls et une seule défaite devant son public. C'était face à Nancy. La première grosse opportunité est pour Arles-Avignon. Ballon sauvé par Geoffrey Lambet. Puis une deuxième chance pour les joueurs de Franck Dumas, mais c'est manqué. Le coup franc est bien frappé. La reprise de la tête à bout portant. Panique devant le but auxerrois et ballon capté finalement par le gardien centrafricain. Auxerre a du mal à se procurer des occasions. Voici enfin une situation de but. Mais ballon capté facilement par Ludovic Butel. Cette fois-ci, c'est plus dur pour le gardien d'Arles-Avignon. Mais un ballon bien dégagé. Match assez équilibré. Pas mal d'opportunités. Un petit peu plus pour les joueurs locaux. Et nouveau ballon sauvé par Geoffrey Lambet. Rien ne passe dans cette rencontre. Et à la mi-temps, 0 à 0. Un point à l'extérieur, c'est toujours intéressant, mais ce n'est pas assez dans la situation des Bourguignons. Eux qui restent sur une victoire après 4 défaites consécutives. Il faudrait enchaîner pour être beaucoup plus tranquille. Arles-Avignon de son côté sur 4 matchs sans défaite et envie de bien finir le championnat. Au retour du vestiaire, Auxerre accélère avec ce nouveau mouvement très intéressant. Et le but d'Alassane Pléa. Le joueur prêté par l'Olympique Lyonnais marque son 3e but de la saison à la 51e minute. Une action individuelle qui permet à la JA de mener 1-0 à l'extérieur, soit le résultat nécessaire. Nouvelle action et le ballon sauvé par Butel. Arles-Avignon qui essaye de revenir, mais Auxerre résiste. Encore des opportunités pour les Auxerrois avec cette occasion incroyable et le ballon qui passe au-dessus. Puis au tour d'Arles-Avignon de frapper, c'est cadré et c'est sauvé par Lambet. Beaucoup d'occasions dans ce match. Auxerre qui mène toujours. Et voilà le deuxième but à la 82e minute. Frédéric Samaritano inscrit son 4e but de la saison, sécurisant un peu plus les Bourguignons. Le match qui se termine sur cette victoire très importante. Auxerre sort de la zone de relégation grâce à cette victoire à l'extérieur 2-0.